Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Rien du tout. Mais resservez-le. Tout de suite? Tout de suite. C'est toi? Voilà. Tu attends peut-être des remerciements? Non, non. Je suis juste là pour t'aider. M'aider? Tu ne peux pas m'aider. Bien au contraire. Et tu sais ce que ça fait de tout perdre en quelques secondes? Plus que tu ne le crois. C'est quoi ce masque ridicule? C'est pour la soirée de déguisée, je suis déjà mis. Tu déguises en tueur en série? Mais non, ça représente le masque de la justice. J'ai vu ça dans une série. On dirait plutôt un masque de psychopathe, hein. Tiens, j'en ai aussi un pour toi. Sérieux, avec son couteau de cuisine? C'est bon, t'as eu ton compte? Viens plus nous faire chier! Est-ce que Manu, toi, t'es le pote du gars qui doit être flic? C'est à cause de lui que Théo s'est fait arrêter! Surtout ne me remercie pas. Encore toi? Mais... je ne suis pas en service ce soir. Je ne t'arrêterai pas. Mais je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu comptais faire au juste? Rendre justice à ma sœur. Mais t'as rendu cette tâche impossible. Et pourquoi? T'as foutu l'homme qui a tué ma sœur en taux. Sois patient. Tu obtiendras ta vengeance un jour ou l'autre. Qu'est-ce que tu veux? Les flics ne tuent donc pas le criminel sans être contraints? Je suis comme toi. Je veux rendre justice. Mais la police est incapable de le faire. Et donc? Et donc? Je recherche des personnes comme toi. Pour m'aider à rendre justice. Pour éviter que d'autres personnes souffrent, comme nous. J'aime bien ton masque. Si tu veux m'aider à changer le monde, rejoins-moi en poste de police demain. Attends, comment tu t'appelles? Matt. Matt Lornac. Matt? Chérie. This is a war. Je ne devrais pas être là, mais le commissaire Moreau m'a chargé de m'occuper de vous.
Où est Daniel? Il est en route. Comment vous sentez-vous? J'ai l'impression que la douleur est ancrée au plus profond de moi. Votre assaillant n'a pas voulu vous tuer. La lame n'a touché aucun organe. Il a voulu me laisser en vie. Tout comme moi. Il a tué tous mes hommes. Qu'est-ce que tu attends de nous? Comme tu peux le voir, je suis dans l'incapacité d'agir. J'ai perdu beaucoup d'hommes. Le ministère ne me fait plus confiance parce que j'ai laissé prospérer et s'installer votre organisation. Ça nous réglait le problème, c'est ça? Alex a pris tout un quartier en otage. Et il te réclame, Matt. On n'est pas assez pour les arrêter. Je m'en contrefiche. C'est vous qui avez causé le problème, c'est à vous de le régler. Mais comment veux-tu? On arrêtera Alex et son groupe. Et comment? J'ai un plan. Par contre, j'ai besoin d'une chose. Tu as carte blanche et c'est ce que tu veux savoir. Il y aura des dommages collatéraux. Qu'il en soit ainsi. Au point où on en est, ça peut pas être pire. Je compte sur vous. Messieurs. Le courant connecte plus que 6. C'est quoi ton plan miracle? T'as pas besoin de détails. Trouve-moi du C4, c'est tout. Comme s'il n'y avait pas assez d'explosifs là-bas. Et tu veux encore en rajouter? Je sais ce que je fais. C'est le seul moyen de le battre. Ok, je te trouvais du C4. Au fait, qu'est-ce qui arrive à Clarisse? On n'a pas retrouvé son corps là-bas. Clarisse? Ta petite protégée? C'était un agent double. Elle était de mèche avec le boucher et le papillon. Laisse-moi maintenant. Tu vas avoir une sacrée cicatrice. J'ai cru que j'allais plus jamais te revoir. Ah, je vais encore te coller à la peau un petit peu. Est-ce que je suis encore là? Juste pour souffrir. Chaque nuit, je peux ressentir cette douleur. Ces cicatrices. Un combat d'une cause que j'ai perdue et que j'ai abandonnée. Ton combat n'est pas encore fini. Et ta cause n'est pas perdue. Ma cause m'a tout pris. Ma famille, mes amis, ils sont tous morts. Et pourtant, c'est comme si je pouvais les voir, les ressentir auprès de moi. Comme s'ils étaient toujours là. À me murmurer ce que je dois faire, ce que je dois accomplir. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, c'est le faire payer. Je vais l'anéantir. Fais ce que tu veux, mais sauve Anna. C'est tout ce qui m'importe. C'est la seule raison pour laquelle je suis encore là. Je sais ce que je dois sacrifier. Ne t'en fais pas. Become an equal in every way.
Ton ange gardien. Lieutenant, qu'est-ce qu'on attend ? Le signal de Matt. Et c'est quoi signal ? Comment ça ? Boss, qu'est-ce qu'on fait ? On y va. Attendez ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je peux pas rentrer dans le bâtiment comme ça ? Et pourquoi pas ? Il y a au moins une trentaine de personnes dans ce bâtiment. Je croyais que vous aviez un plan ? J'en ai un. Sacrifie ce qui est nécessaire pour y arriver. Je suis désolé, mais c'est le seul moyen. Pourquoi ? Il faut un monstre pour en battre un autre. Allez les chercher, tout de suite. Vous n'étiez pas censé. Thank you.
arriver d'un moment à l'autre. File doucement. Pose ton arme tout de suite, grand frère. T'es sûr que c'était la meilleure des choses à faire? Tu es tes hommes? C'était le seul moyen pour que j'arrive jusqu'ici. Je n'ai jamais demandé ça. Si tu l'es, je te couvre, cherche-les. Tu es trop faible. Tu sais ce que je fais aux vermines dans ton genre? Je les écrase. Maintenant. À toutes les unités, les démons sont dans le bâtiment 42. Ramenez-vous et nettoyez-moi ça. Qu'est-ce que tu veux? Te faire payer. Me faire payer pour quoi encore? Je t'ai rien fait. Tu m'as enlevé ma vie. Tout ce que j'avais, tu me l'as pris. T'as tué le seul homme qui s'était occupé de moi. Qui ça? Théodore Carlton. Oui, l'homme qui a tué ta sœur. L'homme qui était membre des Blue Cells. C'est lui qui s'occupait de moi. Je suis orpheline. Je connais même pas mon vrai nom. J'avais personne. Lui, Mercury. Mais toi, tu l'as tué! Je comprends. Tu voulais venger ta sœur. C'était légitime. Mais t'as même pas regardé ce que ça pouvait faire aux autres. Pourquoi tu m'as pas tué plus tôt alors? On a déjà eu plusieurs fois l'occasion. Je voulais connaître l'homme qui m'avait pris ma vie. Je t'ai observé toutes ces années et c'est là que j'ai vu que Théodore t'avait pris ta sœur Clarisse. Et je me suis rendu compte que t'étais pas forcément une mauvaise personne. Alors quoi? C'est quoi ton but? J'en ai pas. Je suis une famille, un foyer. Mais on continue de m'enlever ça encore et encore. Le papillon et une bouchée m'ont recruté, ils m'ont entraîné. Mais je sais très bien qu'il faut que m'utiliser. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux juste une famille. Je t'en ai donné une et tu l'as trahie. C'était ma mission, mais... Mais quoi? Tu t'es pris d'affection pour nous? Tu sais, il n'est pas trop tard. On peut toujours les arrêter. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Si tu te plais pas avec eux, rejoins-nous. À nouveau. Mais... Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu serais prêt à refaire confiance à quelqu'un qui t'a trahi? Je vous comprends pas. Comment vous pouvez dire que vous formez une famille? Parce que nous n'en avons pas. Je comprends pas. Comment tu peux vouloir de mon aide? Je suis rien pour toi. Je suis pas de ta famille. Je suis pas ton ami. La seule raison que... Je t'ai pas aidé parce que je voulais t'utiliser. Mais parce que tu me rappelais ma sœur. Je voyais ta souffrance. Quelle souffrance? Celle d'avoir personne. D'avoir personne sur qui compter. De n'avoir qu'une chose qui nous maintient en vie. La vengeance. Je voulais me venger de toi. La vengeance ne t'apportera rien. C'est pas plus important pour toi de retrouver une famille sur qui tu peux compter? Il n'est pas trop tard. Tu peux encore te rattraper. Je suis désolée. Je suis perdue. Ça va aller. Ça va aller.
si je peux jouer un rôle. Tu crois vraiment que j'allais t'accepter après ce que t'as fait à mes hommes? T'as trahi notre famille. Et tu veux la rejoindre? J'ai cru un moment que t'aurais pu être comme ma sœur. Mais je me trompais. Ma sœur est morte. Il y a bien longtemps. Personne ne pourra la remplacer. Surtout pas une folle comme toi. Qui sait pas ce qu'elle veut. Tu vas mourir comme tu as vécu. Seul. Abandonné de tous. C'est tout ce que tu mérites. Julien. Tire, si c'est ce que tu veux. Et dis-moi pourquoi avant. J'ai vu ce que tu as fait en bas. J'ai vu que tu as tué nos propres hommes. Je l'ai fait pour toi. Pour moi? Mais t'es complètement fou! Peut-être. Reste où tu es. Reste où tu es. Tue-moi! Je suis déjà mort de toute façon. J'ai trahi les hommes. Je ne mérite que ça. Tu ne fais rien! Je serais déjà mort si tu voulais. Je n'ai juste plus de balles. T'es toute seule ici, il n'y a pas de garde. Je l'ai fait buter. J'aurais tort pourtant. La seule raison possible, c'est parce qu'il le veut. On nous observe, pas vrai? Ils veulent qu'on s'entretue, c'est ça? Tu ne me tues pas, elle mourra. On n'a pas d'autre choix. Il y a un autre moyen. Pourquoi t'as fait ça? C'était ma responsabilité. Même si je le fais, comment est-ce que... Écoute-moi. Tu vas encore tout devoir porter sur tes épaules. Je m'y suis habitué. Il est notre péché. Et pourtant... C'est à moi de le faire. C'est ma responsabilité. Je suis déjà un démon de toute façon. Je le suis aussi.
Enfin. Enfin, j'ai pu te faire ressentir ce que tu m'as fait ressentir. Alors, qu'est-ce que ça fait de tuer la personne qui nous est le plus chère de ses propres mains? Je vais te laisser une chance de sauver la petite. Rejoins-moi à l'appartement 4316, bâtiment 43. Bâtiment 43, appartement 4316. Ça marche. Ma vengeance arrive bientôt. Ouais, ouais, quand est-ce que je serai payé? T'inquiète pas, tu seras payé en temps et en heure. Dès que Matt sera mort. Boss, boss! Quoi? Quoi encore? C'est Matt! Il est dans le bâtiment 42! Quoi? Ne le tuez surtout pas! Si j'apprends que l'un de vous l'a tué, je tuerai un à un chaque membre de sa famille. Si tes hommes peuvent pas me tuer, alors je vais me charger de leur cas un par un, jusqu'à ce que tu ramènes tes fesses ici. Venez avec moi. On va lui régler son compte. Maintenant. Sous-sol. Occupez-vous des escaliers. Moi, je m'occupe de l'ascenseur. Qu'est-ce que c'est? C'est le détonateur des bombes. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Je vais le vaincre avec ça. Il y a encore des otages. Tu fais ça, des centaines d'innocents mourront. Oui, mais au moins lui aussi. Il mourra. Mais on peut pas faire ça! Ce sont les dernières volontés de Julia. Dernière volonté? Julia est morte. Quoi? Il y a forcément une autre solution! Il n'y en a pas. C'est la seule. Il y en a une autre. Il faut accepter notre défaite. Si on fait ça, on meurt! Mais sinon, des centaines d'innocents vont mourir? Ils sont déjà tous condamnés. Ça, tu n'en sais rien! Qu'est-ce que tu crois qu'Alice va faire? Il va les relâcher comme ça? Si on les élimine, lui et ses hommes, le plus grand nombre sera sauvé. Le plus grand nombre? Mais toutes les personnes de cet immeuble ne représentent rien pour toi! Il faut faire des sacrifices. Je te laisserai pas faire ça! D'accord. Rattrape. Tous ces beaux discours pour soi-disant protéger la population, pour que la criminalité disparaisse, c'est peut-être des conneries, quoi! Pas aussi facilement. Le monde ne peut pas fonctionner avec des connards comme toi! On a tous cru en toi! Tout ça pour découvrir que c'était toi notre ennemi! Je suis prêt à devenir le pire des monstres pour faire ce que j'ai à faire. C'est ça que tu fais à ta famille? Notre famille est condamnée. Ce n'est qu'une question de temps avant que les hommes d'Alex n'arrivent. Quitte à mourir, je préfère pas avoir de sang sur les mains. C'est déjà trop tard pour moi. Oh.
tu comprends pas, ils sont tous condamnés. C'est toi qui les condamnes. Bouge plus. Je t'ai dit bouge plus. Je n'ai pas envie de te tuer. Je préfère encore mourir que te laisser faire. C'est moi qui vais presser son bouton. Ce sera ma responsabilité. Tu crois que j'en ai quelque chose à foutre que c'est ma responsabilité ou non? Tout ce que je veux, c'est qu'il n'y a pas d'innocent qui meurt. Ces innocents, ça peut être ma sœur ou tes parents. Mais tu crois que j'ai envie de faire ça? Tu crois que ça me plaît? Tu crois que c'est facile de ruiner tout ce qu'on est? Tout ce qu'on a construit? J'y suis obligé! Et ce que tu es, tu te prends pour un sauveur? Je ne suis... Non, arrête! T'es pas héros et tu le seras jamais. Alors presse la détente. Non, je le ferai pas. T'es comme un frère pour moi. Je ferai pas ça. Frère? Tous tes frères sont morts. Ben, Damien et tous les démons. T'étais capable de protéger personne. Tes parents, nos hommes, Carter, Julia et... Ferme-la! Sont tous morts à cause de toi. Tu étais notre leader. Ils comptaient sur toi. Je n'ai pas demandé à l'être. Tu comprends pas? Si on se bat pas, on meurt. Et on lui donne l'occasion de recommencer. T'as raison, tu n'es pas un héros. Regarde-toi, tu es un monstre. Tu as toujours été et tu le seras toujours. Reste où tu es. Mes mains sont propres et je veux qu'elles le restent. Non! Ce qu'il se passe toujours. Je survis pendant que les autres meurent. C'est pas de ta faute quand les autres meurent. Ça l'est quand c'est moi qui presse la détente. Ça l'est quand je crée des monstres qui me prennent mes proches. C'est pas de ta faute si je suis morte. Ça l'est. Quand on fait face à ce genre de choses, ça ne peut plus être comme avant, n'est-ce pas? On ne peut plus revenir en arrière. Non. Mais tu peux aller d'avant. Pourquoi faire? Pour te bâtir un avenir. Je n'en ai pas. Si, tu en as. Ou plutôt, tu peux en créer un pour quelqu'un. Après tout, c'est pour ça que tu as tout sacrifié, non? Fais table rase du passé. Je l'ai déjà fait. Non. Je suis toujours là. Je suis désolée. Tu n'as pas à être. Ce sera ma dernière leçon, mon élève. L'échec est ce qui te permet d'avancer. Apprends-lui ça. Voilà ton futur.
Ce jour-là, il était difficile de savoir qui était le plus fou. Moi ou tous les autres. Toute ma vie, j'ai cru faire ce qu'il fallait. Toute ma vie, j'ai cru que le chemin que j'empruntais était le bon. Que ma justice avait un sens. Mais à vrai dire, j'ai juste vécu assez longtemps pour devenir moi-même le monstre que je redoutais. Personne ne pense être le méchant dans l'histoire. Tout le monde pense agir en bien. C'est pour ça que notre plus grand ennemi n'est autre que nous-mêmes. Le démon dans notre miroir. Écoute-moi. Il n'y a qu'un seul moyen pour que tu la sauves. Le bâtiment 42, au sous-sol, j'ai placé le détonateur de toutes les bombes. Il faut que tu ailles l'activer. Il faut que tu sacrifies tous ces innocents. Pour la sauver. Ne t'inquiète pas, elle en réchappera. Oh. Ce jour-là, j'ai tout perdu. J'ai détruit ma vie pour pouvoir la reconstruire. J'ai sacrifié tout ce que j'avais pour elle, cette petite fille pour qui mes parents et mon frère avaient donné leur vie. Ce jour-là, j'ai agi par égoïsme, pour donner un sens à tout ce pourquoi je m'étais battu jusque-là. Je m'étais toujours battu pour rendre justice à mes parents. Mais aujourd'hui, je me battrai pour quelqu'un d'autre, pour Anna et son futur.